Parmi les 92 victimes du crash de l'avion militaire russe dimanche, on dénombre 9 journalistes et opérateurs de télévision, dont un ingénieur du son et un caméraman. Ils étaient employés par les chaînes publiques ORT, NTV et Zvezda. L'ingénieur du son Yevgeny Tolstov avait l'habitude de travailler avec le caméraman Oleg Pestov, qui avait été récompensé par la médaille du mérite pour son travail dans les zones de guerre. Je le connaissais depuis 15 ans. Ces dernières années, on travaillait avec la même technique, donc je peux dire que nous regardions le monde à travers le même objectif de caméra. Dès qu'il y avait des troubles quelque part, il était toujours en première ligne. Il ne savait pas dire non. Un homme avec un grand sens du devoir. De son côté, Dmitri Runkov travaillait pour l'ORT. Il s'apprêtait à célébrer son 30e anniversaire.